La plus belle dame. La plus belle de toutes. Ah Dieu, t'es tellement belle. Oh frère, je n'ai aucun sou à te donner aujourd'hui. Ah Nengi, pardon. C'est juste l'argent de transport pour le boulot cette semaine. Dès que je reçois mon salaire, je te rembourse. Histoire. Non, ce ne sont pas des histoires, hein. On nous paye la semaine prochaine. Et dès que c'est fait, tout l'argent que je te dois dans cette vie, je te le paye. S'il te plaît, tu sais que tu es mon seul aide dans cette ville. Mon aide inébranlable. Hein? S'il te plaît. Je t'ai écouté. N'est-ce pas toi encore? Mais je suis sérieuse, je vais te payer. Laisse-moi t'aider. Ça va. Hein? T'es mon sauveur dans cette ville. Hey, je t'aime tellement. Tu vois, tu es mon aide dans cette ville. Hein? Dieu t'a amené dans ma vie juste pour me sauver. Ah, Nengi, Nengi. Regardez l'argent. Nengi, où as-tu trouvé tout cet argent? Hein? Ah. Ah, reine. Belle et brillante. Ha! Ma copine. Ah. Nengi, ajoute un. S'il te plaît, ajoute un. Juste ajoute un. Non, donne-le-moi comme ça. T'es vraiment drôle. Nengi. Dieu. Dieu te bénira. Ça irait mieux pour toi si tu travaillais au salon. Salon? Mm-hmm. Comme sortir avec mes clients hommes. Ah, je ne peux jamais faire cela. Hein. Je ne peux jamais me le permettre. Mon immeuble à Inugu est presque fini et c'est le plus important. Hmm? Ah. Tu vois ton rêve de voyager en Europe? Vaut mieux bien bosser là-dessus ou oublie-la. Hmm? Mais je bosserai dur pour cela. Hein. Dès que j'aurai rassemblé mon salaire comme ceci, pam! J'achèterai mon billet, le visa et je file. En tant que serveuse? Attends, pourquoi suis-je en train d'avoir cette conversation avec toi? Hé! Hé où? Chut, c'est Monsieur Abiola. Je n'ai pas l'argent du loyer, tu le sais. C'est comme si tu veux être en retard pour le boulot aujourd'hui. Ah, ah. Nengi? Nengi, attends, attends. Attends, Nengi. Ah, Monsieur Abiola. Bonjour, monsieur. Où est mon argent? Même pas un bonjour et tu ne peux pas me payer. Où est mon loyer? Oh, le loyer, ouais. Moi, bonjour, bonjour. Bonjour. Je me prépare à te payer le mois prochain ou peut-être cette fin du mois. Le mois est presque fini, juste patienter. Écoute, je n'attendrai plus le mois prochain. Depuis le mois passé, tu me promets. Attends. Voici encore un nouveau mois. Et tu continues pas à promettre. Je ne veux plus ça, hein. Je prends mon argent cette semaine. Sinon, je vais vous faire sortir. Ah ah! Ce n'est pas arrivé à ce stade, non? Oui. Nous allons te payer. Même le gouvernement a des dettes. Ce sont les problèmes du pays. Les choses sont tellement dures. Mais par la grâce... Monsieur Abiola, pardon. Écoutez, Dieu merci que tu me connais. Je suis de Ada. Je reviendrai ici la semaine prochaine avec mes gars. Tu m'entends? Monsieur Abiola. Et on verra. Monsieur Abiola, il faut... Ce n'est... Accorde-nous un peu de temps. Toi, pourquoi as-tu dit une telle chose? Pour que tu vois qu'on est dans la merde et réaliser que le monde n'est pas gentil. Et seuls les forces en sortent. Ta misère de salaire en tant que serveuse ne peut pas t'offrir une vie décente. Et tu comptes voyager avec ça? Reste là, ne va pas chercher où trouver l'argent. Moi, je vais juste prendre mes affaires et aller vivre au restaurant. Parce que les loyers, ils deviennent de plus en plus chers. Je ne peux continuer ainsi. Oh, dear papa, it is true the time has changed. The memories, I just know they are no more here. Oh, I've been so crazy. Yeah. When I got so far away.
Take me higher, higher through the mountains. I wanna be higher, higher than my problems. Take me higher, higher through the mountains. I wanna be higher, higher than my problems. Take me higher, higher through the mountains. I wanna be higher, higher than my problems. Papa, it is true the time has changed. The memories, I used to know they are no more here. I've been so crazy. When I got so far away. Take me higher, higher through the mountains. I wanna be higher, higher than my problems. Take me higher, higher through the mountains. I wanna be higher, higher than my problems. Take me higher, higher through the mountains. I wanna be higher, higher than my problems. Bienvenue. Merci. Bienvenue. Que voulez-vous commander? Que je fasse la commande? Ou je vous apporte notre spécialité? Oui, la spécialité. Ceci est notre spécialité nigériane. La pâte de banga. Oui. Ça sent comme si c'est fait maison. Venez-vous des dos? Oui, bien sûr. Oh, c'est super. Vous savez, ici, nous le faisons très bien. Juste un instant, je vous apporte de l'eau. C'est bon. Oh, mon Dieu. Vous savez... Des couples de l'autre côté de la ville viennent souvent ici pour manger notre spécialité. Vous savez pourquoi? Parce que là-bas, ils ne font que de la mauvaise cuisine. Ils ne savent pas bien cuisiner. Mais c'est bon, parce que finalement, nous, on se fait de l'argent. Vous voyez, non? Ouais. Ah, je suppose que vous êtes nouvellement mariés. Oui, nous le sommes. Est-ce évident? Bien sûr. Il y a un certain éclat qu'ont les nouveaux couples. Mais le vôtre, c'est surabondant. Bébé. Monsieur. Quand tu as fini de les servir, laisse-leur le temps de manger. Ils mangent. Puis-je au moins leur donner les piques dents? Allez, vas-y vite avec ça. Ah. C'est spécialement pour vous. J'espère que vous l'aimez. Si vous avez des remarques, je suis là. C'est bon. Ça sent comme si c'est fait maison. J'espère que le poisson n'est pas trop salé ni trop dur. Non, pas du tout. Ah, vous voyez, nous, à Noua Nadia spécialité, notre travail est de combler les besoins de tout le monde. Certains le veulent durer, d'autres molle. Donc, de notre côté, nous nous sommes dit, restons au milieu, pour les satisfaire tous. Papa, ne t'en fais pas, hein? Il va vite comprendre qu'il a besoin des doyens pour gagner cette élection.
Ces politiciens, laisse tomber. Laisse tomber. Alors, comment va la saison de plantation? Ma fille, je ne pense pas que je serai capable de cultiver cette saison. Pourquoi? Mes os n'arrivent plus à tenir mon corps. Papa, t'es pas obligé de le faire toi-même, non? Tu peux embaucher les gens à le faire pour toi. Et ça demande plus d'argent. Plus d'argent, ma fille. T'en fais pas, l'argent viendra. L'argent viendra. J'essaierai, t'en fais pas. Oh, ma fille bien-aimée, que Dieu te bénisse. Ton grenier ne sera jamais vide. Amen. Amen. Que mon Dieu continue de te bénir abondamment. Merci, que Dieu te bénisse. Merci, papa. Au revoir. Nengi. J'ai pas d'argent pour le champ de ton père. Sais-tu que tu peux faire comme 50 000 en une seule nuit? En riant? Oui, tu peux. Sérieusement? Ça peut ne pas atteindre 50 000, mais quand même ça te permettra de te prendre en charge. J'ai jamais entendu que quelqu'un s'est fait de l'argent en rien. Tout ce que tu as à faire est de, tu vois, faire semblant de séduire. Prends des rendez-vous et fais tout ce qui te fera gagner. Tu sais... Ça va marcher, crois-moi. Regarde. Regarde-moi. Ah. Hein? Nengi. Ah. Oui? C'est quoi le problème? Que veux-tu dire par quel est le problème? Malgré mon maquillage et tout ce que j'ai porté, je n'ai eu que 2500. Ça aurait été mieux que je dorme. J'ai du travail à faire demain. L'autre a eu le culot de m'appeler grosse fille. C'est son père et sa mère qui sont gros. Nengi. Nengi. Oui? Attends. Comment as-tu eu autant d'argent? Bien. Disons que j'utilise ma langue d'une autre manière. Ta langue? S'il te plaît, comment l'as-tu fait? D'accord. Regarde-moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Fais-le avec séduction. C'est ce que tu as fait pour avoir tout cet argent? Sors la poitrine. Ça n'a pas d'effet. T'étonne pas d'avoir eu que 2500. Tu dois le faire avec séduction. Avez-vous fini? Oui, jolie fille. Ton repas est très doux, mais je ressens en moi que tu seras plus douce. Le client précédent ne le pense pas. Ah, c'est faux. Je suis sûr qu'il ne savait pas comment te gérer. S'il vous plaît, monsieur, vous payez cash ou avec la carte? Actuellement, je suis en train de passer mon week-end à Resort. C'est bien pour vous. Cash ou votre carte? Eh bien, ton week-end avec moi serait des mois de ton salaire. T'es une très jolie femme. Monsieur, s'il vous plaît, un week-end avec vous serait un tonneau.
plein de vieux sang pourri. Bon sang, tu es très impoli. Pourquoi suis-je impoli? Hein? Tout ce dont vous parlez depuis votre arrivée, c'est week-end, 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 week-end. Vous êtes même incapable de donner un pourboire. Voilà, c'est maintenant que tu as parlé. Hein? Tu as eu une fille très chanceuse et comme tu le vois, je suis aussi quelqu'un de très généreux. Ouais, je ne suis pas aussi compliqué. Vous êtes généreux. Oh, waouh. C'est pour moi? Oui, pour toi. Oh, merci. C'est 6 000. Alors, vous disiez que vous habitez où? Donne-moi un stylo, un papier, je vais te l'écrire. D'accord. Voilà. C'est ça. Oh, merci. Vous êtes tellement généreux. Ah, merci. Alors, mon adresse et mon numéro. Je vais t'écrire mon numéro de téléphone. Je vous appellerai. Je vais encore ajouter un au cas où ça ne marchait pas. Ça va marcher, ne vous en faites pas. Ça va marcher. Merci, monsieur. C'est bon, monsieur. Merci d'être venu à Wanadia Restaurant. Très gentil. Merci, monsieur. Alors, je vais espérer ton appel. Salut monsieur, bienvenue à Wanadia Restaurant, le meilleur restaurant nigérian dans ce coin. Monsieur, vous voyez, dans ce restaurant, nous servons la meilleure des meilleures nourritures africaines. Nous avons du riz au gras, riz cantonné, poisson, viande de chèvre, sauce tomate, les mets africains, tout ce que vous voudrez. Même la cuisine intercontinentale, orientale, internationale, tout plat que vous voudrez. Wanadia Restaurant est là pour vous. Qu'aimeriez-vous commander, monsieur? Vous savez, je vous proposerai notre sauce gluante. C'est un plat très délicieux. Les gens l'aiment tellement chez nous. Pourquoi, je ne sais pas. Mais je vous la recommande. Où voudrez-vous avoir banga? Banga et starch. C'est aussi une deuxième option. Mais moi, je préfère la sauce aux légumes. Certaines personnes préfèrent... Ah ben non, pourquoi? Je ne sais pas. Je vais juste prendre de l'eau. Oh. Juste de l'eau? En tout cas, c'est aussi un bon choix. Après avoir pris l'eau, très bientôt vous aurez faim, puis vous commanderez dans notre restaurant. D'accord, d'accord. Je vais déposer ce carnet ici pour vous chercher de l'eau. Autre chose, monsieur? D'accord. Monsieur, êtes-vous prêt à commander maintenant? Je propose la soupe au poisson. Écoutez, je sais que la vie est dure au Nigeria maintenant. La vie est tellement dure. Mais, ce n'est pas assez pour qu'un homme aussi grand que vous soit en larmes. Hein? Tant qu'il y a la vie, t'as un endroit où dormir. Et t'as de quoi manger, comme tu es venu ici commander quelque chose à manger. C'est suffisant. Ah ah! Je sais que c'est pas facile, hein? C'est pourquoi tout le monde s'enfuit dans ce pays. Spécialement quand tu te réveilles le matin et tu vas sur les réseaux sociaux et que tu vois ces petits garçons dépenser de l'argent sans penser à demain. Tu demandes à ton Dieu, ma tête est-elle différente? Ont-ils deux têtes et moi une? Malgré tout ça, calme-toi. Hein? Tu sais quoi? En fait, attends. Ah! Oh, un si grand homme pleure. Mon frère,
c'est mon repas pour ce midi. Mange-le. Mange. Mange. Ne te tue pas, s'il te plaît, mange. Tu sais quoi? Prends ça aussi. Mange et réjouis-toi. Hein? Les problèmes ne finissent jamais. Hein? Laisse-moi te dire. Juste mange. Hein? Tu sais quoi? Tu n'as pas payé pour l'eau. Je vais payer. C'est bon. Ne te tue pas. Ne te tue pas. Hein? Gère. Ah! Donc tu as remis à un étranger, probablement un anarqueur, tout l'argent que tu as gagné aujourd'hui? Ce type n'est pas un anarqueur. Je pense qu'il traverse juste un moment difficile. J'ai un esprit très fort, je ne pense pas avoir mal fait. Excuse-moi, que ton esprit fort t'enseigne comment gagner de l'argent? Est-ce que tu sors avec moi aujourd'hui? Est-ce pour aller rire? Non. Ah, dans ce cas, j'y vais pas. Prends soin de toi. Un jour, tout ira mieux. Hey, je suis ravie de te voir. Hein. Tout va bien? J'avais eu peur que tu allais te suicider. Je veux dire, essayer de t'ôter la vie. Ah, je suis contente que tu ailles bien. Depuis quand es-tu au chômage? Ou es-tu un homme d'affaires? Moi, je suis serveuse ici depuis 2 ans. Les choses ne s'améliorent pas, mais je gère. Ça va aller. Tu dois apprendre à faire avec. Tu es un homme. Tu m'entends? Alors, que puis-je t'offrir cette fois-ci? L'eau, c'est bien. Ah! Il n'y a pas de nourriture aujourd'hui. Hein. Pas de repas gratuit. Je l'ai mangé. Essaie de commander autre chose. Sers-moi de l'eau. Es-tu sérieux? D'accord. Au frais, je peux jurer que c'est pas toi qui es ici devant moi. Nelly, Pamela, bienvenue à Wanadia Restaurant. Que souhaiterez-vous manger? Au frais, tu veux dire que tu as quitté le Bénin pour devenir serveuse ici? Malgré tous les atouts qu'il y a de l'autre côté. Oh Dieu. S'il te plaît, ne gaspille pas tes mots pour elle, ma chère. Vous êtes là pour manger. Pouvez-vous vous asseoir et faire votre commande? Fais la commande. Ma boutique de mèche que j'ai ouverte est en train de marcher comme ça se doit. Et toi, t'es ici. Félicitations. Félicitations. Mais s'il vous plaît, nous ne sommes pas ici pour des commérages. Y a-t-il quelque chose que je peux vous servir? Aujourd'hui est un jour spécial. Mm-hmm. Alors nous avons décidé de venir ici manger quelque chose. Exactement. Tu sais, les potelés comme nous mangent bien. Apporte-nous quelque chose de qualité. Je sais, l'argent que vous dépensez, vous ne voulez pas le gaspiller. Je comprends. Tu allais faire la même chose si tu le reconnaissais. Vous savez, je gagne mon argent avec mes propres efforts. Et les gens m'adorent comme je suis. Avez-vous un problème avec ça? Je vois la différence. Je suis heureuse. Va nous chercher à manger. Où voudrais-tu un pourboire d'abord? C'est pas grave. Nous sommes dans cette vie. Toi que j'ai hébergé chez moi, Dieu te jugera. Ne me salis pas mes habits. Au frais, tu n'as pas encore remboursé ton prêt. Oui, monsieur, je sais, mais... Donc je... tu ne peux plus en demander encore. Je promets de vous rembourser.
Je vais bosser dur et je serai capable de vous... Comment, Offre? Dis-moi, comment tu vas me le rembourser? S'il vous plaît, monsieur, mon J'ai père... J'ai pas créé une organisation caritative ici. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, j'en ai vraiment besoin. Je vais vous rembourser. Quitte mon bureau maintenant. Monsieur... Imagine Nelly, hein? Nelly que j'ai hébergée, je lui ai donné un endroit sain. Elle ose me parler de la sorte. Ha! Cette vie. Eh bien, si tu faisais ce que je fais, tu te fais des faux seins, fausses fesses, tu allais beaucoup gagner dedans. Je n'en veux pas. Très bien. Continue seulement de vivre cette vie misérable et de galère. Vas-y. Jésus. Ah. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui ne pourrait pas se passer? C'est l'électricité qui est finie. Moi, j'ai pas d'argent. Hein. Je n'ai aucun rond pour acheter la lumière. Si tu me renverses dans ce sens, rien ne tombera. Pas de problème. On dormira dans le noir. Actuellement, c'est toi seul qui dormiras dans le noir. Parce que moi, je sors. Nengi. Tu sais que j'ai pas d'argent. Tu veux me laisser dans ce noir et dans cette chaleur? La chaleur me tuera, non? C'est la pauvreté qui te tuera en premier. Je vais aller m'apprêter pour sortir. Tu penses que j'ai du temps pour ça? Ah. Pourquoi c'est cette nuit que l'électricité doit finir? Même si c'est 200 naira, achète pour que je puisse charger mon téléphone. Ah, les gens ont la lumière, sauf nous. Salut, demoiselle.
Tu ressembles à quelqu'un que je connais. Bien sûr que c'est celui que tu connais. Que se passe-t-il? As-tu gagné le jackpot? Eh ben non. Assieds-toi et raconte-moi. Es-tu sérieux? Regarde comment t'es sapé, comme quelqu'un qui peut payer ses factures. Que vais-je te servir? Que voudrais-tu? Au fourré. Regarde comment tout est sale ici. Pourquoi n'es-tu pas en train de la nettoyer? Je suppose que vous êtes le gérant ici. Je suis le propriétaire de cet endroit. Parfait. S'il vous plaît. Permettez-moi de l'avoir pour faire ma commande. Monsieur, c'est un grand client à nous. L'un de nos plus grands clients. Et il prend son temps pour passer sa commande. Donc je me suis dit, peut-être que... vous voyez? Tu étais assise alors. Que lui servais-tu? J'essayais juste de... Désolé, monsieur. Regardez-moi celui-ci. Je viens de te donner un titre de riche. Mais que se passe-t-il? Joue-moi le disque. Avant ça, que veux-tu manger pour calmer le patron? En fait, je pense faire du dîner. Ah, dîner. Nous ne faisons pas de dîner ici. Hein. Tu sais que les gens n'aiment pas manger trop lourd les soirs. Je sais. Ce que je veux dire est de t'amener dîner. Je peux venir te chercher quand tu fermes. Ah. Écoute, je veux juste causer. Et puis, dis à ton patron que j'ai perdu mon appétit. Tu peux garder la monnaie. Je te verrai après. Ah. Monsieur, vous m'avez appelé. Oui. Est-ce ton petit ami? Non, monsieur. Relative. Ah, monsieur, c'est juste un client. Oui, monsieur. Sais-tu que tu es très... très brillante et belle? Ah, oui, je sais. Je préfère juste en être humble. Mais tu ne sais pas que... tu as beaucoup d'atouts. Tu ne sais pas ce que tu as. Monsieur, je sais ce que je possède. Et je rends gloire à Dieu pour cela. Ça veut dire que tu comprends... ce que je vais te proposer ensuite. J'ai de vieux amis très riches, très puissants, à qui je branche à des filles comme toi. Ah. Ils sont riches, d'accord? Ils n'aiment pas les filles de paroisse, ni ces filles droguées de rue, ils ne les aiment pas. D'accord? Des vieils hommes, c'est ça. Recherche-t-il des infirmières? Parce que je n'en suis pas une. Je ne sais pas comment faire ces choses, hein. Le mieux serait-ce qu'il aille chercher les filles de Leki. Qu'est-ce que ça veut dire? Écoute, j'essaie de t'aider ici. Monsieur, ce n'est pas le type d'aide que je cherche en fait. Malheureusement, c'est cela qui est disponible. Ah, je peux gérer ma vie sans ça, hein. Quel que soit le plan de gestion que tu as, rassure-toi de me rembourser mon argent. Oh oui, ça en fait partie, monsieur. Cela ne suffit pas. Es-tu consciente que tu ne recevras pas ton salaire de fin du mois? Le salaire de ce mois, tu ne l'auras pas. Ah, monsieur, mais nous étions d'accord que vous n'allez enlever que 20% de mon salaire mensuel pour l'argent que je vous dois. Mais monsieur, je dois beaucoup de personnes. Je m'en fiche. Écoute, je veux bien élargir mon affaire, donc j'ai besoin de plus d'argent. Ah, monsieur, s'il vous plaît. Excuse-moi. Ah. J'ai dit de m'excuser. If I could, then the answer.
tough time. I wish something more with me when it's all over. If I could turn the end. Qui est-ce que je vois? Oh bien. Oui, me voici. Hey, j'espère que tu n'as pas l'intention d'aller me sacrifier. Je suis sûr qu'avec ton bon cœur, ils le rejetteront certainement. Ah ah. Entre. Entrez où? Où est-ce que tu m'emmènes? Juste à Jay's Resort. Jay's Resort? Mm-hmm. Oh bio, comment peux-tu choisir cet endroit? Te rends-tu compte que cet endroit coûte très cher? Les gens nous regardent. Peux-tu juste entrer? Vaut mieux qu'ils me regardent, hein? Enfin qu'ils puissent bien voir la couleur de la voiture dans laquelle je rentre. S'il te plaît, je promets de t'expliquer. Prends mon sac d'abord. D'accord. Jésus-Christ. Il ne contient pas d'argent, donc ça va. Hey! Oh, dear Papa, it is true the time has changed. The memories, I used to know the... Allez, tiens. Pourquoi le regardes-tu comme ça? L'as-tu empoisonné? Quoi? M'as-tu drogué? D'accord. Hé, hey, remets-le-moi, ne le finis pas. Ah ah! Je voulais juste te prouver qu'il n'y a aucune drogue dedans. Ah. Doucement, doucement. C'est trop bon. Tu es censé siroter, pas avaler. C'est pareil. Sois pas ivre, hein. Ah, ivre. Moi? Tu vois ce mot soulard? S'il n'y avait que moi, ce mot n'existerait pas. Hein? Oui. Oui. C'est pas doux, c'est pas amer. C'est juste... Ah. Ah. Alors, Hey. Dis-moi, comment tu le fais? Faire quoi? À vivre comme s'il n'y a aucun problème dans ce monde. Obio, quand tu as des problèmes sur problèmes, problèmes sur problèmes sur problèmes sur problèmes, tu vois, tu vas t'habituer. Tu vas t'y habituer. Tu ne peux rien. Tu sais, les problèmes ne finissent jamais. Ah, Obio, ta voiture là, est-ce même ta voiture ou tu l'as empruntée? Non, c'est ma voiture. Une d'entre elles, bien sûr. Je suis sérieux. Oh Dieu, tu n'es pas riche. Ah Dieu, tu sais, tu serais le seul riche que je connais dans cette ville. Vraiment? Si, tu l'es vraiment. Non, celle-ci est en fait ma préférée, ma... l'une de mes tours. T'en fais pas, je t'expliquerai, je te dis. Je fais l'effort de te démasquer, mais ça ne vient pas. Tu ne peux pas. Il n'y a pas de connexion. Tu ne peux pas. C'est toi qui pleurais l'autre fois. Comment? Comment? Hein? Je ne veux pas sonner ma trompette d'un cœur. Patiente-toi. Donc tu veux me dire que tu habites à Jay's Resort? Oui. Cet hôtel est très très cher. Il n'y a que des vieux qui vont là-bas avec des petites filles. Je n'ai jamais vu, je ne suis jamais entrée là-bas, mais j'entends souvent que... J'entends souvent que c'est un coin des riches. Rien que des personnes riches. Alors, qu'est-ce que ça me fait? Je ne sais pas. D'accord. Tu le sauras bientôt. Tu es quelque chose d'autre. C'est plutôt toi qui es quelque chose d'autre. Tu es vraiment quelque chose d'autre. Ah! Take me higher, higher through the mountains. I wanna be higher, higher than my problems. Take me higher, higher through the mountains. I wanna be higher, higher than my problems.
Oh dear Papa, it is true the time has changed. The memories I used to know, they are no more here. Oh, been so crazy. When I got so far away, take me higher, higher through the mountains. I wanna be higher, higher than my problems. Take me higher, higher to the mountains. I wanna be higher, higher than my problems. Take me higher. I've been so crazy when I got so far away. Take me higher, higher to the mountains. I wanna be higher, higher than my problems. Take me higher, higher to the mountains. I wanna be higher, higher than my problems. Take me higher, higher to the mountains. I wanna be higher, higher than my problems. Donc, tu es la bienvenue dans ma chambre. Obio. Hein? Planifies-tu de vendre mes organes ou quelque chose comme ça? Obio, je suis le seul espoir de mon père. S'il te plaît, laisse-moi... Attends. Peux-tu au moins t'asseoir d'abord? D'accord? Viens t'asseoir d'abord. Allez, viens. Allez, s'il te plaît, viens. Viens. J'ai jamais vendu l'organe de quelqu'un. D'accord? C'est bon, prends place. Ceci est censé être mon voyage de miel. Tous les cadeaux que tu vois là, ils étaient préparés pour ma femme. D'accord, alors où est ta femme? Elle a été prise dans un lit avec un homme. Un vieil homme. Hé hey Dieu! Qu'est-ce qui ne va pas avec ces vieils hommes? Ces vieils hommes et les jeunes filles sont comme moutons et manioc. Les deux ne marchent pas. Ces vieils hommes ne voient pas les jeunes filles avec leurs yeux. Chaque fois qu'ils... désolé, attends, quoi? Qu'est-ce que t'as dit? T'as... J'ai interrompu le mariage. Oh! Ah! Tu veux dire que quelqu'un t'a trompé, malgré ta beauté? Hé hé! Es-tu sûr que tout marche bien chez toi? Je pense que c'est parce que j'ai trop confiance. Ah! Désolé. C'est même apparu dans les journaux. Es-tu sérieux? Oui. Ah ah! Oh mon Dieu! Elle est très belle! Pourquoi les belles filles sont toujours comme ça? Hein? Regardez-la. Le magnat du pétrole aurait abandonné sa fiancée chérie. Ah! Ah! L'homme est même l'ami de ton père. Hey! Ça me fait mal quand je pense que 2 ans de ma vie ont été perdus. Ah, c'est de 2 ans que toi tu parles, moi. Tu sais combien de temps j'ai passé avec Maxwell? 5 ans. 5 ans. Et Maxwell, après les 5 ans, s'est trouvé une fille plus riche que moi et a commencé à dire que lui et moi sommes incompatibles. Après 5 ans. Ce qui m'a le plus énervé est que les deux n'ont même pas duré. Est-ce que tu comprends? C'est très mauvais. Ah! Qu'est-ce que c'est? Ah! Je pensais que tu étais habitué à l'alcool. Non. Ceci, c'est pour les riches. As-tu de l'eau? Je suis sûr qu'il y a de l'eau dans le frigo. Ah. Ça descend. Tu vas bien? Je vais bien. D'accord. Ah, ça là, c'est fort. Très fort. Ah, tu vois, je sais que tu es une bonne personne. Tu ne dois pas mourir pour quelque chose qui ne devrait pas te tuer. Retiens-toi, retiens ton cœur. Tu es un homme, ça va passer. Tu es un bel homme, hein. Tu es un bel homme et en plus tu as de l'argent. Pourquoi te déranges-tu? Tout ira bien. Tout ira bien. Je les aimais.
Je les aimais tellement. Voilà où ça t'a amené. Oh, Florée. Pourquoi ne prends-tu pas une semaine de congé? Pourquoi? Parce que j'apprécie ta compagnie. Ah! Oh bien, je suis pas une fille de rien. Si tu veux quelqu'un pour rester avec toi, je peux te connecter à Nengi. Hein? C'est juste que tu me donnes la moitié de ce que tu lui payeras. Tu vois ce que je dis? Nengi est une très bonne fille. Tu es pareil, je sais que tu prendras bien soin d'elle. Je te veux. Non, pas dans ce sens. Tu vois, le truc, c'est que tu es très drôle. Et tu me fais rire. C'est juste pour t'accompagner, parce que pour le moment, mon esprit et mon corps ne sont pas à cette place. Ah, j'ai du travail à faire. Comme tu me vois maintenant, ce mois je ne serai pas payée. Donc je dois bien m'arranger. Je te paierai. Tu ne comprends pas. Même si tu me payes, toute la dette que j'ai là, même mon salaire de 3 mois ne pourra pas payer. Je te paierai un an de salaire. Es-tu... Sais-tu ce que tu es en train de dire? Je suis riche. Au cas où tu ne l'aurais pas remarqué. Laisse-moi y réfléchir. Très bien. Mais j'attendrai ta réponse demain à 6 heures. Demain à 6 heures? C'est trop tôt. Ouais. J'ai besoin de temps de... penser à ce que je dirais à mon boss. J'ai vraiment besoin de temps d'y... J'ai juste besoin de temps. Je ne vais pas rester ici aussi longtemps. Je n'ai que 10 jours. Donc tu peux prendre n'importe quel cadeau que tu veux sur cette table et sur celle-là. Juste pour te permettre de réfléchir et me répondre aussi vite. Comment tu le vois? Ça, c'est une vraie corruption, mais j'accepte. N'importe lequel? N'importe lequel. Puis-je prendre celui-ci? Si tu le veux bien. Oui, merci, merci. Oh mon Dieu. Toast. Ah. Ah. Ouais, je vois. Ah. Ah. T'es très fort. Tu es vraiment fort. Tu es très drôle. Oh mon Dieu, bébé, la marque Louis Vuitton. Ah. Mon Dieu. Ah. Bébé, regarde. Tu vois la marque? C'est l'original. Mon Dieu. Ah. Sais-tu ce que ça vaut? Oh mon Dieu. Quoi? Laisse-moi le remettre à sa place. Bébé. Envoie-moi, je vais le guérir. Quand j'aurai fini de le masser et appliquer ma langue sur lui. Je lui ai déjà parlé de toi, mais il n'a pas accepté. C'est parce qu'il ne m'a pas encore vue. Tu insinues que je ne suis pas belle? Ah, bébé, c'est pas ce que je dis. Regarde la beauté, non? Je suis sûre que ma beauté va le convaincre. Tu sais, quand j'aurai fini de secouer, de turquer, de faire, tu vois, tout ce que... C'est qu'il va changer sa mentalité. Nengi ne voudra pas. S'il te plaît. Je ne suis pas son manager, hein. Ah, remets-moi mon cadeau. Ah! Bébé. S'il te plaît. Ah, écoute, je t'ai déjà proposé à lui. Je le ferai vite, hein, crois-moi. Ah. Il n'est, je ne suis pas son manager. S'il te plaît. Oui, Ferré, es-tu folle? Non, monsieur. Très bien.
Je veux dire, si tu ne me rembourses pas mon argent avant la fin de ce mois, je jure au nom de mes ancêtres et du Dieu qui m'a créé, je te rendrai folle et tu marcheras nu dans les rues de Lagos. Désolé, monsieur, ça n'arrivera pas là, monsieur. Je suis très sérieux. Désolé, monsieur. Ne t'amuse pas avec moi. Est-ce que tu m'entends, tes grosses fesses là? Tu ferais mieux de bien les secouer. Tu m'entends? Cet homme est une personne très stupide. Hein? C'est la pauvreté qui cause tout cela. La pauvreté. Dieu, pardon. Prends mon appel, écoute-moi, change mon histoire. Les gens que tu bénis ne possèdent pas 10 têtes. Hein? Combien je te dois pour que tu me dises que tu vas me rendre folle? Tu es la bienvenue. Tu peux dormir dans la chambre. Moi, je serai par ici. D'accord. Laisse-moi faire rentrer ton sac. Oh, et puis, le dîner, c'est dans 1 heure. Sois prête. D'accord. D'accord, je reviens. C'est bon. Salut la famille, voici là où je suis actuellement. Allez, restez connectés. Et... Oui. Ah, voilà. Ah. Tu vas bien? Oui. J'allais demander... Suis-je permise à prendre des photos? Waouh, tu es magnifique. Ah, merci, je pense que elle est moins grosse que moi. La robe me sert un peu et les chaussures sont plus grandes que mes pieds. Tu es parfaite, si tu me le demandes. Oh, voilà. Tiens. Qu'est-ce que c'est? L'argent que nous avons convenu. Prends. Garde-le. Je le prendrai à la fin. Tu me fais autant confiance? Non. C'est pas la confiance, mais je sais que tu n'essayeras pas. Mais si tu oses, tu vois tous ces Louis Vuitton, tous ces Versace, toutes ces choses, je vais juste les ramasser. Dehors? Oui, dehors. Et j'étais sur le point de t'appeler Ange. Allons-nous? Tu es très élégant aussi. Merci. Voilà les chaussures qui dépassent mes pieds. Elles me lâchent un peu. T'inquiète pour ça. Ouais. Ah, quelle fatigue. Va te doucher en premier, hein. D'accord, merci. Je reviens, hein. D'accord.
Bonjour. Bonjour. Tu étais sorti? Oui, je suis allé au sport. Oh, mon Dieu. J'ai dormi ici? Oui, j'avais pas voulu te réveiller. J'étais très fatiguée. Ça va. La climatisation ici m'a tellement fait du bien. Eh bien, j'ai commandé le petit déjeuner. Ça sera là bientôt. Sois sûr que tout sera spécial. Oh, merci, mais tel que je me sens, j'aurais préféré prendre de l'eau toute la journée. D'accord, je peux annuler la commande. Non, oh, reviens. Je plaisantais juste avec toi. On peut pas s'amuser avec toi. Regarde quoi. N'annule rien. Hein. T'inquiète. Ah oui, je vais prendre mon bain. D'accord. Tu en as aussi besoin, tu le sais. Ouais, je sais. C'est bien. Waouh, merci. Je vais la poster en même temps. Très jolie. Fraîche comme sortie de l'eau. Comment arrives-tu à gérer tes émotions? Oui, je fais juste avec. Ah bon? Mm-hmm. Pouvons-nous? Oui. Bien. Some people say that love has blind, that he can make you lose your mind. But I believe that love is fair. It doesn't judge, it doesn't care. I will sail the world to find you, no matter je vois. Que fais-tu ici? Je rêve ou quoi? Toi ici. Que fais-tu dans cet hôtel? Laisse-moi deviner. Tu fais le ménage ici. Hé, hey, bébé. T'es ici? Salut. Salut. Je suis Obio, son petit ami. Donne-moi ça. Je t'attends à l'intérieur. Quand tu auras fini, rejoins-moi, d'accord? Ne mets pas beaucoup de temps. Qui est-il? C'est mon très riche et unique petit ami. Et ton sugar daddy. Quelle idiotie racontes-tu? Ton copain marié, celui qui a payé pour tes nouvelles fesses et pour tes seins. Oh, il se repose. Mmh. Oh, il arrive. Hello, bébé. Ah, le voici. Pardon. Allons à l'intérieur. Allons-y, c'est bon. Vas-y, va dans la chambre. Donc, c'est ton petit ami? Va faire ton boulot. Oui, c'est mon petit ami. Réjouis-toi bien.
journée. Ah, tu vas bien? Vraiment, merci pour ce que t'as fait en bas tout à l'heure. Oh, c'est rien. C'est plutôt moi qui dois te dire merci. Je pense que je devrais aller me rafraîchir. D'accord. C'est bien. Wait me when it's all over. This is like a dream. Somebody help. If I could turn the ends of time, I'd wish something more than this fate before me. I need a thousand years to forget all this pain. I need a thousand rainbows to fall in love. Offray, qu'est-ce que tu as? Oh. Tu te bats en rêve ou quelque chose comme ça? Ah. T'as dormi là. Pourquoi ne m'as-tu pas réveillé? J'étais réveillé, tu continues juste de te donner des coups de pied. Ah, ma tête me fait mal. Quelle heure est-il? Il est 9h. Oh. 9h du matin? Je vais aller me rafraîchir. C'est moi qui l'ai dit en premier lieu. Attends d'abord. I realize you're the one I've been waiting for. You're my sunshine on a cloudy day. I realize
Obia. Ah. Désolée. Brayo. Bray. Quoi de neuf? Oh, mon ami. Pardon, une minute, s'il te plaît. D'accord. Et comment? Très content de te voir. Oui, très content de te voir aussi. Qu'est-ce qui t'amène à Lagos? Gare, toi-même, tu connais mon travail. Voyage sur voyage sur voyage. Se faire de l'argent. Quoi de neuf avec toi? T'es juste injoignable. Tu as disparu. Que voulais-tu que je fasse? Rester en pleurant? Non, bro. Bien sûr que non. Alors, comment vas-tu maintenant? Oui, je vais bien. Et tout ira bien avec le temps. Vraiment. Je vois que tu te sentiras vraiment bien avec... Oh non. Écoute, nous sommes sur le point de raccrocher, d'accord? Tu me crois ou non? Elle m'a sauvé la vie. Quoi? Oui. Attends, ne me dis pas que t'as essayé de te suicider. Allez, mon frère. T'as aucun droit d'aller jusque-là. D'accord. Écoute, pouvons-nous se rencontrer dans mon hôtel bar et parler de ça? Quel hôtel? C'est toujours ton ancien numéro. Oui, bien sûr. T'inquiète, je t'enverrai la localisation. Je ne comprends toujours pas. Je pense que tu ne perds pas des millions en restant à côté de tes affaires. Bro, que vaut les millions si tu n'as pas la vie et la santé? D'accord. C'est bon, je vais t'appeler, d'accord? Oh oui, d'accord. On se voit après. À plus. Prends soin de toi, bro. Yeah. Papa, c'est ce que je dis. Utilise l'argent que tu as emprunté à la coopérative. Les 100 000, utilise-les. Bien sûr, papa, ne t'inquiète pas pour ça. T'inquiète pas. C'est bien. Je te verrai bientôt. Prête à partir. Es-tu sûr que c'est ton ami que tu veux aller voir comme ça? Bien sûr. Es-tu sûr que tu ne vas pas ramener une autre femme pour me renvoyer? T'inquiète pas, personne ne peut prendre ta place. D'accord. Tu es très élégant. Merci. Es-tu sûr que tu ne veux pas venir? Ah, va faire ton truc. D'accord, à très bientôt. Mon gars. D'accord, je voulais demander. Tu ne peux pas me dire que tu es avec cette très belle créature. Et tu sais ce que je veux dire, non? En vrai, c'est que j'ai pas de sentiments pour elle. Oh. Tu ne peux pas me dire que tu n'as pas de sentiments. Si tu n'as pas de sentiments pour elle, ça veut dire que tu ne l'aimes pas.
Bien sûr que je l'aime bien. Ouais, je peux le voir. Tu dois bien l'aimer. Je veux dire, tu dois bien l'aimer. Écoute, c'est une personne incroyable. Mais il n'y a rien. Tu sais, je serais fou de me lancer aussi vite dans une autre relation. Écoute, mon frère. Tu peux ne pas être en relation avec elle. Mais juste, laisse les choses avancer comme ça se doit. Bro, il n'y a plus de sentiments. Bien qu'elle a besoin plus, mais je ne peux rien leur offrir de beau pour le moment. Allez. Avec cette... cette belle... T'as rien à faire avec cette belle créature? Pour te dire vrai, je fais tout cela pour moi-même. Avec réserve, n'est-ce pas? Tu comprends la vérité. Alors, dis-moi, comment va ta famille? Salut la famille! Donc, je vais vous laisser avec ce petit conseil, d'accord? Vous savez, prenez juste du temps pour vous. Prenez du temps pour vous libérer. Et souvenez-vous toujours de rester gay. Parce que ça, c'est absolument gratuit. Mouah. Ouf. Rien n'est absolument gratuit. Tout ce qui se trouve ici a été payé par Obio. Mais je préfère continuer à vous motiver plus. Hey! Hey, pourquoi es-tu si heureuse? Ah, je traumatise juste mes ennemis. Je leur mets du piment. Sais-tu que depuis que je t'ai rencontrée, j'ai dépassé plus de 600 000 abonnés? Vraiment? Tu es mon porte-bonheur. Hey. D'accord. Comment c'était? C'était bien. C'était bien. Ah. Avez-vous fait des commérages sur moi? Pourquoi ferais-je cela? D'accord. Donc vous avez parlé de moi? Quelque chose comme ça. Je t'ai attrapé, des hommes qui font des commérages. Vous faites trop de commérages. De toutes les façons, c'est pas ce que je suis allé faire. D'accord. As-tu mangé? Non. Je faisais juste des vidéos. Pouvons-nous trouver quelque chose à manger? Oui. D'accord, donne-moi ça. Ah. Tu es prête? Oui. S'il te plaît, une minute. Tu ne te changes pas, tu iras comme ça? Ouais, je vais bien comme ça. Je te rejoins à l'intérieur, d'accord? D'accord. Salut. Que fais-tu ici? Je veux juste qu'on parle. S'il te plaît. Oui. Je sortais avec Chef Martin quand j'étais à l'école. Il a mes photos nues. Il voulait qu'on couche ensemble ou il les publierait. Nude. Es-tu sérieuse? Oui. Pourquoi ferais-tu ça? Bébé, l'adolescence et ses folies. C'est comme ça que j'arrivais à survivre avant de te rencontrer. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu étais sous pression? Ça veut dire que si cela ne s'était pas produit... Je ne te tromperai jamais, je ne ferai jamais une telle chose. Tu aurais dû me le dire. J'avais très honte. Je savais exactement la vie que tu vivais. Et je t'ai quand même choisi.
je t'en prie. Reviens à moi, s'il te plaît. Qu'est-il arrivé aux nudes qu'il a? Il les a détruites. J'étais là. Il les a détruites. Oui. C'est détruite. Pardon. Je le jure. Il a fait. C'est vrai. Je promets. Je te le promets, s'il te plaît. S'il te plaît. Pardonne-moi. Que se passe-t-il? J'ai fini mon travail ici. Que veux-tu dire que ton travail ici est fini? C'est pour ça que tu fais la valise? Ta fiancée est de retour. Donc, parce qu'elle est de retour, je dois sauter dans ses bras. Écoute, elle ne va même pas dormir ici. Et moi non plus. Au forêt. S'il te plaît, reste. Es-tu sûr? Absolument. J'ai besoin de toi ici. D'accord. Je reste à cause de mon paiement. Merci. Je suis celle qui devrait dire merci ici, d'avoir rendu possible mon rêve de rentrer chez moi, sans honte. Alors, dis-moi, quel sera ton plan? Bien. Je trouve mieux de retourner au Bénin et faire face à mon devoir comme une femme responsable. Tu sais, Max était un idiot. C'est lui qui serait en train de fuir, et non toi. C'est vrai. Merci. Alors, que planifies-tu quand tu retourneras au Bénin? Je vais installer mon propre restaurant. Et je vais assister mon père financièrement dans ses affaires. Tu sais, tu es une fille dont on doit être fière. Dis par le fils de l'homme. Célébrons. Que célébrons-nous? Tu veux dire, qui célébrons-nous, n'est-ce pas? Qui allons-nous célébrer? Toi, bien sûr. Moi? Oui. Oh! Ouais. Que se passe-t-il? Ouais. Yeah. Tu la mérites. Je suis fier de toi. Ah, merci. Alors, laisse-moi aller chercher quelque chose, mais pour l'instant... Allez. Yeah. On sort maintenant? Non, je vais prendre des boissons. Oh mon Dieu, tu es si belle. Laisse-moi voir. Allez, regardez-moi ça. Obio, arrête ça. Tu es très magnifique. Puis-je avoir des photos avec toi ce soir? Bien sûr. Allons-nous? Allez, santé. Santé. C'est un bon vin. Alors, j'ai ce cadeau que je t'ai acheté. Obi. Oui. Toi, avec les cadeaux. Ça te plaît? Ça... Il a l'air très cher. Et tu le mérites. Oui, laisse-moi t'aider. D'accord. Là. Ça va bien avec ton habit. Incroyable. Waouh. Obi, tu sais que je peux vendre ça? Quoi?
au forêt, s'il te plaît, garde ces bijoux pour toi, d'accord? Garde-les bien, afin que tu te souviennes de notre temps passé ensemble. Je m'en souviendrai toujours, voyons. Tu feras mieux de le faire. Merci. Tu écoutes, mon son préféré. Obio. Va te doucher. Oh mon Dieu. Va prendre ta douche. Lève-toi. Lève-toi. Allez. Attends, j'ai quelque chose pour toi. Voilà. C'est 200 000 dollars et 500 000 naira. Ceci dépasse ce que nous avons convenu. Bien. Tu m'as donné plus que ce que j'espérais. Es-tu en train de me payer pour le sexe? Non. Je ne te paie pas pour le sexe. Si je devrais payer pour ça, j'aurais pu te donner plus que ça. Malheureusement, mon cœur est mélangé en ce moment. Bien. Nous pouvons essayer. Et je veux bien essayer. Je crois que nous pouvons essayer. Mon numéro d'agence est dedans. Juste appelle-le. Elle t'aidera à avoir ton visa et t'amener à... n'importe où tu voudras.
feel now. Now my heart is beating, but the heart away. You said you love me, and that you won't leave me. Heaven knows I've been here, doing all for you. Now I don't know what to feel anymore. I don't know what to believe anymore. It's like the moon replaced the shining sun. It's so dark in here, I've got nowhere to go. Who can help you heal your heart, heal your soul, when it feels like you lost it all? Who can help you heal your heart, heal your soul, when it feels like you lost it all? Oh, we had it perfect, oh, we had it so smooth. Never knew I'd been dreaming, 'cause it felt so real. Used to be so nice, the sky and the blue light, and all the truthful light. Oui, qui est-ce? J'arrive. Comment vas-tu? Tu m'as manqué. Tu m'as vraiment manqué. Oh dear papa, it is true the time has changed. The memories, I just know they are no more here. I've been so crazy, yeah. When I got so far away, take me higher, higher through the mountains. I wanna be higher, higher than my problems. Take me higher, higher through the mountains. I wanna be higher, higher than my problems. Take me higher, higher to the mountains. I wanna be higher, higher than my Papa, it is true the time has changed. The memories, I just know they are no more here. I've been so crazy, when I got so far away. Take me higher, higher through the mountains. I wanna be higher, higher than my problems. Take me higher, higher to the mountains. I wanna be higher, higher than my problems. Take me higher, higher to the mountains. I wanna be higher, higher than my problems.
you, the time has changed. The memories, I used to know they are no more here. I've been so crazy, yeah. When I got so far away, take me higher, higher to the mountains. I wanna be higher, higher than my problems. Take me higher, higher to the mountains. I wanna be higher, higher than my problems. Take me higher, higher to the mountains. I wanna be higher, higher than my problems. Papa, it is true, the time has changed. The memories, I used to know they are no more here. I've been so crazy, when I got so far away. Take me higher, higher to the mountains. I wanna be higher, higher than my problems. Take me higher, higher to the mountains. I wanna be higher, higher than my problems. Take me higher, higher to the mountains. I wanna be higher, higher than my problems. Obi. C'est comme cela que tu souhaites la bienvenue à ton ami de longue date. S'il te plaît, assieds-toi. Je suis fier de toi. Merci, je te le dois. Je te suivais sur les réseaux sociaux. Je vois tes likes. Mais je ne vois pas les tiens. Tu sais, je voulais juste vous donner, à toi et chérie, de l'espace. Pour que vous vous concentrez. C'est juste ça. Il n'y a aucun chéri. Quoi? Que s'est-il passé? Eh bien, j'ai décidé de faire ma propre enquête et j'ai découvert qu'elle me trompait tout ce temps. Elle ne sort qu'avec les vieux mariés. Oh mon Dieu! Oui. Mais j'aurais aussi appris que les vieux hommes mariés sont plus ou moins résistants au lit et même beaucoup plus généreux. Hein? Attends, es-tu en train de te moquer de moi? Quoi exactement? Non! Mais c'est le monde! On entend et on voit les choses. D'accord, c'est bien. Je suis désolée. Non, ça va. C'est bon. C'est bien. C'est bien de te voir. Oui! Que veux-tu? Je fais tout ici. Ah non, je ne suis pas venu pour la nourriture. D'accord, dis-moi donc. Offrey, j'ai mal fait quand tu... Je veux dire, quand tu t'es présenté d'être en relation avec moi. Eh bien, tu n'étais pas prêt émotionnellement en ce moment, donc... Pourtant, j'en avais besoin. Je ne savais juste pas comment s'y prendre après tout ce que j'ai traversé. Et que je n'ai pas eu le temps de digérer. J'ai découvert ce que je voulais chez toi. Qu'est-ce que tu veux? Du temps ensemble. Un beau foyer avec toi. Ça sent une demande en mariage. Épouse-moi. Oui.
T'épouser? Je suis impatient que tu sois ma moitié. Je suis sérieux. Sérieux? Oui. Oui? Oui. Tu m'as manqué. Tu m'as aussi manqué. Que tu es beau, oh mon Dieu. Et tu serais mon époux? Oui. Allez, tourne-toi, je vais voir. Non, toi aussi. Obi, tourne, Obi, tourne. Ne t'y oppose pas. Tu fais encore ton malin de beau gosse. Eh bien... Bébé. Ouais. Comment tu peux avoir la même chambre? Tu sais, nous les hommes, on a des connexions. Nous savons toujours comment faire nos choses. Cette chambre renferme plein de souvenirs positifs pour moi. Oui, de très bons. Dieu bénisse cette chambre. Que Dieu te bénisse aussi. Construisons un beau foyer. Mm-hmm. Tu es sûre? Très sûre. Elle est sourie. Oh, d'accord, j'ai oublié. Désolée. Oh, Seigneur. Allez, allons-y.